Salut tout le monde, c'est Mathieu B pour, Vidéo Poker Collectif. Je suis quand même stressé, c'est mon premier vidéo. Ah fuck, j'ai manqué mon Big Bang. Puis c'est la grosse limite de... une scène, deux scènes. Je suis quand même... très beginner au poker. Donc si du monde peut m'aider dans mes décisions, ben... Et ici 9-5, ben... Je vais folder là, même si j'ai goût de caler. Je connais pas le joueur. Donc là, ici je vais folder un weak ace, c'est de la steep drag. So, excusez pour mon expression vulgaire. Je vais coucher cette main en fait. Ici, c'est sous, je vais caler. Ici je flappe rien pendant tout, je vais sûrement checker, folder. Présentement je suis quand même stressé parce que j'ai comme 90% de mon roll en jeu là, sur ce site là, donc c'est quand même stressant. Ok, ici il bet le pot, no trust to fold. Ensuite, ici, je vais raiser si le dude fait rien. Ici, je vais raiser 3 fois le big blind, peut-être 3,5 fois. Là. Ici, une call, j'ai un gut shot avec un runner flush draw. Je vais battre 10 ici. Une call comme un donkey. Il me small in, je peux pas caler ça. C'est juste la face. C'est un fucking donkey, lui. Qui mange de la merde. Bon, ok, j'ai encore manqué mon big blind. T'sais, ici, j'ai top pair, flush lead. Comme un donkey. Je vais mettre 5 sous ici. Ici, je vais folder jack 5. Y'a du monde qui me call, y'a du monde qui me call. Bien primé. Ok. Donc là, avec un 4, il y a une straight. Puis il m'a callé avec quoi? Genre, sticky donkey. Excuse-moi, sur quelqu'un de straight ici. Faut voir, je check. Ok, donc là, j'ai checké. Là, ça bête comme un dunk. So, hostie. Je suis obligé de folder ici. Je vais pas mettre tout mon stack là-dessus. L'autre, il bat trip parce que je prends trop de temps. Donc là, je suis down de ma session encore. J'ai des grosses pertes. Vraiment, je peux pas voir mon roll. J'ai peur de... Ah, ici, j'ai un... J'ai top pair avec un average kicker. Donc, je vais leader contre top de peeps. Ici, ben, je vais caller parce que ça ne tente pas de grossir la pote. Puis il y a un dude qui bat trip. Donc si je peux le buster, ben, ça va être drôle. Puis j'ai absolument rien floppé. Standard. Là, j'ai trip ace. Je sais pas si c'est le best, la best main, sûrement. Ici, je vais checker. J'ai la position sans rien que je mise. J'ai vraiment fuck all. Une main avec peu de potentiel. So, là, j'ai plus de potentiel pendant tout. Ça fait chier. Donc là. On peut voir ici un dude qui se plaint sur les donkeys. Je vais vous le... Ah fuck, laissez faire. Ici je vais être obligé de bêter. Ici je vais checker. Ici je vais bêter genre 16. Il n'y a pas beaucoup de draws possibles, mais je vais le bêter quand même. Ah, ici j'ai encore manqué mon big blind. Je suis quand même très heureux. Ici je vais checker, hein, j'ai rien. En Moutou pis Jean-Guy, j'ai pas grand chose à aller chercher. Donc, y'a un gars qui me call encore. Ça va être très dunky de sa part. J'ai aucune idée où je suis at. Je vais bêter pour value, là, si il est dunky, là. Il a pas l'air trop agressif. Je vais bêter 35. Je pense que j'ai la meilleure main. Si j'ai pas la meilleure main, je vais être traumatisé. Si je vais folder mon S12 quand même dans mon D-Trag. Oh mon dieu, min raise in my face. Ça, c'est fort, là, mon gars.
Ça, c'est fort. 35 cents dans ma face, raise. Dude, il est fort, c'est sûr. Mais je peux pas pousser ça. Donc, on va caller. Peace! Ok, donc là, je viens de la honner. Donc là, je suis quand même fucking heureux ici. Là. Donc, on va raiser avec King 9. On devient loose, on est big stack. Là. Ok, mais sword dick. Ouh, il me raise en face. Hostie de chienne. Ok, ben je vais essayer de folder ça en fait. Donc, je vais le folder. King 9, ça a pas marché. Faut que je reste tight. Tabarnak. Go go. Ok. Donc, là. J'ai Queen 9 suit. On dirait que je me concentre juste sur une table. C'est quand même assez drôle. Donc là, je check ça. Ça a rien de grosse. Ouh, monster, monster. Ok, donc là, il bet 12. Hostie et Donkey, j'ai vu le raiser all in. Je pense que je suis favori contre une paire de 8 anyways ici, donc je vais le raiser ici à... Mais je sais qu'il va mettre son stack, mais ça me dérange pas. Je vais raiser à 31, donc là il va se mettre en ligne. Parce qu'il fait ça. 8, 3. Je suis... Oh oui, c'est vraiment... Calisse de merde! Ok, ça c'est vraiment Lusty Track. Donc là, j'ai même pas gagné en étant giga favori. Le gars il se met en ligne, une paire de 8. Sacrement de Donkey hardcore. Ok, next hand ici, je suis big blind. Là, c'est top, je joue au poker des fois. Ok, donc là, lui il rush en vie. Oh, calif. Il fait un min raise, hein. J'ai même pas le goût de caler. Je vais le caler à quoi je pogne un quad. Hein. Non, je pogne pas de quad. Si vous voulez checker, je fais rien comme d'habitude. Si ben j'ai Acer, probablement pas good, mais bon. Ici, ben ils mettent 200% du pot, so je vais faire un piece in the ghetto. Si une paire de 10, il a checké all the way. J'aime beaucoup son jeu. Si vous voulez être gagnant dans la vie, faites comme lui. So, ok, ici j'ai 10-13. Ça, c'est une très bonne main. En fait, j'ai déjà gagné un pot de 35 sous avec ça. So, je pense que je vais me mettre all-in. En fait, le 51 cents, check, on va au moins caller au cas qu'on flop une full house. Juste au cas. Le gars est short stack en plus, on va sûrement tous les stacker avec 10-13. Oh, on flop big là-dessus, on flop big. On va bêter le pot là. Non. Je pense que j'ai readé Dep and Do avec two pairs. Ouf, ici je prends une gut shot. Open-ended. J'aime ça pareil, voir mes mains comme ça. Je suis capable de voir les mains rapidement, tu sais. Je suis quand même fucking bon. Hein. Si je checkais, obviously, pas de questions à se poser. Open-ended, on veut une carte gratuite, ici, là. Ici, il bet deux fois le pot. Très, très, très donkey. Holy fuck! Ok, donc, ici, c'est quand même stressant, ça. J'ai quand même beaucoup de pression. Donc, ça, ici, on va caller. Ici, on va folder. Et j'ai pas de main pantoute, excusez, guys. On doit être plate en esti de jouer à la session. So, oh, top pair ici! J'ai une main! I got a fucking hand. Ok, so le gars il bet ça. Ici la vie est dure quand même. Ok, il bet quasiment le pot. Il bet ça avec quoi? Il est big blind though. So il peut ici avoir pas mal de mains. On va raiser ça un peu. Pas raiser. Dans le fond, on voulait pas trop raiser parce que check là, il va me caler. Puis là, on sait jamais qu'est-ce qu'il y a ici. Il peut avoir n'importe quoi là. Genre de dude qui fait n'importe quoi. Là. On va bêter 12 pour value, là, parce qu'on sait qu'on a la meilleure main. Une call encore. Là, ici, il y a un flush draw, puis je vais checker. Donc là, ici, il y a une main qui me bat, je vais tuer. Ah, je le bat. Ok, so là, thank you for the cash, motherfucker. So là, j'ai Jack Queen ici, on va raise ça. On est bien loose, là. On est devenu loose, c'est qu'on est up. So, oh, on a volé les blinds, un 3 cents.
j'ai plus de chances de me faire cet argent-là en cherchant de l'argent dans la rue, mais c'est pas grave. So, 5-3 on fold, bien sûr. Ok, ici je vais attendre pour mon big blind. Même si je suis juste capable de jouer deux tables, on dirait. Je pense que c'est quand même assez important de garder une certaine concentration. Si je le passe encore une fois, je pense que je vais fermer la table et rester avec deux tables. Ma concentration, je joue mon A-game là comme ça. T'sais. Ici, il lead à deux. Il y a deux personnes derrière moi, c'est un easy fold. Là. Ici, 350. Ok, on est down dans environ 20 cents à date. C'est quand même du big money. Là. C'est genre 4 bonbons à 5 cents. Pretty expensive. Ok, so, là, mon but, ma stratégie, ça va être d'avoir une image un peu plus loose. Mais l'affaire, c'est que je veux pas trop mettre de mon bankroll sur des moves de donkey. Puis je suis en train de me faire juger, tu sais, je fais cette vidéo-là pour me dire qu'est-ce que le monde pense de moi. Donc là, si je bust avant la fin de vidéo, ben tu sais, c'est pas nice. Hein. Donc... je vais essayer de faire attention quand même, mais en augmentant mon taux d'agressivité. So, overall, je pense qu'à date, j'ai bien joué. Ici, je vais pas encore poster mon big blind. J'ai une dernière chance, en fait. 2-3, on check ça, on veut pas grossir le pot. Ace-King ici, I'm all in. Ok, ben ici, il lead deux personnes derrière moi, je m'en fous. Ici, je vais raiser à 12. Je pense que c'est le bon jeu à faire. Un raise all in, je call. Check in call. Oh, je floppe rien comme d'habitude. Ah, moi, pis toi, pis j'en ai. Ok, ici, je vais faire un 6-bet standard, là. Ici, il me raise, min raise, là. C'est sûr que quoi. C'est laid, tabarnak. Hostie! Oh mon tabarnak! T'es dans la merde, là. T'es dans la merde. Oh. Là, je suis tilté, là. Oublie ça. Il est bien content, là, il m'a montré son bluff avec un min-raise. Nice min-raise bluff. Fucking asshole. Ok, so là, je suis quand même assez... Le plus drôle, là, si vous voulez voir quelqu'un qui prononce donkey drôle, là, tilté. Tilté. Le dude, là, il tilt. Comment il prononce tilt, là, c'est hilarant. Ok, ici, je vais checker ta paire, là, pour qu'il y ait quelqu'un qui se marline, là. Mais c'est qui je parle déjà? Tout bête là. Ah, c'est... Ok, ben ici je vais bêter. C'est qui je parlais déjà? Donkey Kong. Est-ce qu'il prononce le mot... tilt comme un retard? ok, dans le fond il est même pas dans la communauté là. Je pense qu'il est plus là, je pense, whatever. Je trouvais ça drôle comment il prononçait le mot. Parce que je voulais pas faire chier personne là. Fait que lui il pense que je vais tilter. Ah! C'est qui est tight, sacrément! Pause big blind! Pause big blind! Oh, j'ai réussi. Je suis quand même très fier, sérieux. C'est ma première fois que je joue trois tables à la fois. Là, j'ai de la swag, évidemment. Ici, je vais faire un gros raise, je pense. Je pense que c'est bien important de prendre l'avantage de cette position. Ici, je vais sweet caller. Ici. Ah, oh, je pensais que j'avais Queen Jack à l'autre table, genre. Sérieux, ça fait quand même chier. Ok, ici, je prends des blinds. Je suis quand même très heureux. À date, j'ai besoin de bonnes mains, sérieux, là. J'ai besoin de. 7-5. Ici, je pense que j'ai une straight, là, en fait. Ouais, je l'ai. So, je vais checker ça. En fait, non, parce qu'il y a trop de flush draw possible. So, je vais battre genre 6 pour value. Je vais folder mes 3-3. Ah, c'est. Il y a un 2 King Call. Genre, faites un 12 of Hearts. Please! Toi, raise, c'est. Quelqu'un raise. Non, pas de couleur. Ah, c'est. Pire carte. Eva. Ok, là, je vais checker. Je vais checker comment ils bêtent, là. Les assholes, motherfuckers. Si je vais coller trop d'argent dans le pot. Ok, vu ta peur ici. Hein. Ici, c'est sûr, je bête. Ah, oh, c'est. Calice, je
peux-tu folder ça? Tu sais, c'est une tough decision. Tu sais, il bet tellement que c'est tellement retard son affaire, là. Il veut mettre du value pour sa flush quasiment. Calé. Bon, peut-être qu'il y a 3-3 là. Je vais caler. Ah, j'avais raison en plus. Que je suis dunky sacrament ici. Bon, je vais raiser un typical là. Sacrament, ben de la merde, ça. Session de merde à date, en tout cas, là. Fait capoter. Dès qu'il me call, oh, flop un set, mais lui il a sûrement un straight flush drop, il va mal draw, obviously. Ok, il me dunk lead là, il me dunk bet, je vais raiser ça after un draw board là, so ouais, à 14 cents. Bon, une bonne carte pour le turn en fait, un ace of clubs. So, en fait, bon, il me host qui est dunky. Hostie, worst card ever. Est-ce que je peux coucher mon set? Bon, je vais caller 6 cents. Bon, il y avait Ace King, le dunk. Ok, ouais. Il a de la misère à coucher son house en tout cas. Je le mettais plus fort que ça, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui arrive quand t'es habitué d'être un dunky. En fait, je sais même pas combien ça fait de temps que je fais la vidéo là. Ça fait combien de temps? Oups. Ok. Je suis quand même assez traumatisé en fait. Ma session, elle me traumatise. Donc là. En date, ma session m'a pas mal traumatisé en fait. Je pense que je comprends pas mal le docteur sur. Allô? Là? Merci. Oui, allô? Yo? Ça va, toi? What's up? C'est quand même assez rare, je pense. je sais pas, là, toi. Quoi? Ok, pis. Ok, tu peux te charger de joueur, genre? Ok, c'est quand tu penses faire ça, là? Ah, ok. Donc, t'as pas encore. What the fuck? Allô? Ok, je pensais que ça avait raccroché. Donc, là, tu sais pas si t'as encore des joueurs, genre. Ok, je suis peut-être intéressé, là. Ça dépend. Là. Ça dépend de où, quand, qu'est-ce qu'on fait, etc. So, ben check, tu peux me rappeler avec plus d'informations. Tu peux me rappeler, je t'ai dit peut-être là. Donc, check le monde WhatsApp. Allô? What the fuck, mon tel a raccroché. Asti. Bon, excusez tout le monde pour cette session de téléphone là. Je vais ça t'appeler. Hein. Le téléphone il est mort. Comme mon bankroll. En tout cas, je vais finir la vidéo jusqu'à temps que je sois busté. Là.
Ouais. Sacrément. Donc là, je voudrais. Ah bon, une des petites cartes ici, ça fait pas. Je vais réaliser à 4 fois le big blind. Vu que je suis. Tabarnak, mon téléphone il meurt tout le temps, esti. C'est plus BS que SOS BS, esti. Ah, esti, calice que j'ai jamais vu. Les autres, ils ont sûrement genre 20 000 stacks, genre, ça, je sais pas ce que ça veut dire, un esti de lait qui dunk bet 2 cents, là, esti. Queen 12, fold that shit, little motherfucker. En passant, Seb, il est quand même retard en tabarnak. Puis, oh! T'as peur! Ok, le dude là, c'est clair qu'il est dans marde. Je vais y bêter genre 20 cents, il va être obligé de caler, esti. Putain, mon calice! Dude, il est bien heureux là. Ouais, j'avoue. Esti, j'ai goût de te montrer, montrer au monde qu'est-ce que tu me dis, Seb. Le monde va savoir que t'es reject. Chris de No Life. Ouais, donc là, en fait, je suis en train de parler à Acid Pixel. Un chronic user de d'acide, en fait. Je crois, là. Ok. C'est quand même assez drôle en fait. La vie. Si je vais folder, le dude il confuse. Il comprend pas mon talent en fait. Il a de la misère à comprendre. Si je vais folder, ça sert à rien. Ça il me fait quand même. Acid Pixel il me fait quand même fucking rire. Jack 8 ici, je suis quand même rendu low stack. So on va folder pas mal de mains. Jusqu'à temps que j'ai une bonne main, puis on va essayer de mettre toute notre stack au milieu. Parce qu'on est quand même sur e-poker. So le monde c'est quand même dunky là. Je suis quand même à une limite assez il y a beaucoup de pros cette limite là, là overall là. Tu sais, comme Acid Pixel disait lui il a starté pro ça fait longtemps, il a starté Wins Anderson là, tu sais, il se faisait 300-400 pièces semaine. Il a grindé ça environ 6 mois. Tu sais, il est monté au 5-10 cents. J'étais vraiment content. Puis, en passant, Acid Pixel, il a mangé une pizza 12 pouces avec une bouteille de vin à soir. Ça peut intéresser quelqu'un. So, là, on va continuer avec le poker ici. C'est quand même assez redondant, en fait. On n'a pas eu de main. Les mains qu'on a eues, ben, c'était quand même straight second nuts. Puis, quand même assez de la swag overall. Là. So, on va essayer d'avoir de quoi bientôt. Si, oh, top pair, baby! Ok, je viens d'avoir un commentaire très drôle, assez personnel de Acid Pixel. Je pense que je vais garder ça pour moi. What the fuck? Big boy. Big boy. Malade. Oh, c'est bon. Malade. Bon ben, tout le monde va le savoir, Seb. C'est une joke, là, ça passe pas dans mon vidéo. Mais c'était fucking beau, père. So, pour les personnes à la maison, je suis désolé de cette interruption. Là. En fait, je suis jamais rien, so je vais tout le temps check folder. Quand j'ai de quoi, ben je bête, tout le monde va folder. Pas mal standard, en fait. Ok, en fait, ici, je vais checker encore. Ouais. Donc en fait, je vais tasser un peu ma chose. Pour ceux qui ont faim, ça peut aider comme ça.
Donc là ici je vais raiser avec King Jack là. C'est quand même une des meilleures mains que j'ai jamais eues dans la session. 12 line, très 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 standard. Ici il va sûrement me caller parce qu'il est dunky. En fait ici on a mon repas de ce soir. En fait je sais pas s'il est grand format lui le super size là. Je sais pas s'il est super size hein. Mais ouais c'était le numéro 2 en fait hein, avec deux viandes. Il me colle encore. Il me colle encore, moi je check ça. J'en peux plus. Si bête, je fold. 24 cents. Peace out, motherfucker. Ok, donc King 12, easy fold. A6 all in, standard. Ah, bon, mais ils ont fait éliminer par two pairs. Pourquoi le monde font pas ça à moi? Ils font juste ça à d'autres mondes, genre. Je suis vraiment sûr que le monde se mette all in avec A6. Bye, noob. Toi, t'es une E25. C'est quoi tu penses que t'es, sacrament? Le monde se pense des super professional players là, avec une E25 sur la table. Colique. Je peux même pas te payer un trio Wendy's, sale paumé. Ah, il y a un dude de... On a de la visite en fait. On va peut-être avoir de la visite spéciale de Acid Pixel qui va venir sur la table pour essayer de m'en outplay. Il va sûrement me donner pas mal d'argent. So, je suis content qu'un fish va s'additionner sur la table. Ici, je vais folder A6, c'est une main facilement dominée. C'est sûr que c'est probablement la meilleure main four-way, mais tu sais. Vu que j'ai une E16, je vais pas mettre mon stack sur une E16. Une E6. Oh, la vie est dure. Min-raise UTG, quand même très 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 donkey. Faites pas ça. Sacrement. Oh, j'ai rien floppé. Ici, il me call, il me laisse la vie facile. Ici, j'ai une paire de 5, je vais quand même mettre 2 cents, vraiment, ou peut-être le pote. Team Rage, je vais quand même tilter, c'est un. Ici, quand même très dunky, je vais checker. Ici, je vais caller pas mal n'importe quoi. Lui, c'est lui qui m'avait bluffé hardcore l'autre fois. Ah, stinkez-les! Crise de bête affreuse, malade mentale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas caller ça. Spider 5, une call, une check, une call, une call, une check. Fuck you. C'est mon fuck all là. C'est ça, t'avais quoi, sale donkey. Maudit donkey de merde. Il bet 50 cents dans un pot de 2 cents, est-ce que. Sword dick à sword, mon fuck. I had the nuts, but I thought you had a straight flush. Ok, ici j'ai callé. Queen 9 suit. Flop rien comme d'habitude. En fait, ici on va. Il y a d'autres qui battent. Ben check. Doncaster 6-0. Ici j'ai rien comme d'habitude donc je vais check pour bien. Et 4 rows. Il y a quelqu'un qui me demande les tables que je suis dessus parce qu'il veut faire partie des vidéos. So ici 8-6 I call là. Si j'ai pas rien mais fuck off. Oh Accent Pixel il est là! Pou. Ok là il faut falloir le dunker à fond la caisse. Ici c'est un multi-way vidéo. Fuck je viens de me faire. Ok là. Ok, en tout cas, je vais enlever qu'est-ce que mon souper, là, pour ceux qui ont vraiment faim, je veux pas les faire chier. Là. Donc, je vais remettre la table normalement. Mr. B, you suck. Oh le Chris. Oh la tapette. Je raise all in. Life. Ok, je vais raiser à 12. C'est qui est dans merde avec cette pixel. 8 ici, ici je fold. Ah, c'est qui est là avec son min-raise.
Si je vais le caler, là. Ici, j'ai raisé, je pense, hein. Donc, je vais raiser encore. Si je vais caler son. Ici, je le mets peut-être sur AK, là. Je vais essayer de battre Vincent, voir qu'est-ce qu'il me fait. Ah, c'est de calice de retard de Chris. Ok, je suis obligé de folder ça, là, le style là, il est dunky. Calice, ça va mal. Si j'ai As 2, je vais folder. Life is hard. Check le dude qui fold son small blind. À une cent, deux cents. Ok. Bon, life is hard. 5, 6 off suit. Lui, c'est. Bon, enfin. Ouais, il joue tête en salle, hein. Il veut juste voir son nom. Hein. Le fucking dude a tout la main en main. Hostie. Ok, ici je vais checker mon 12-9. Là, là je m'en mets quand même short stack partout. Ça me gosse en caisse. En fait, suit. Je vais peut-être me mettre all-in ici. Quand même des belles cartes pour gambler. J'aime ça avoir un flop avant de me mettre all-in en fait. 4-9, très 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 standard. La petite dunky raise. So, je vais devoir folder. 12-6, c'est une shitty hand. Sacrement, j'en reviens pas comment ça va mal ma session en date. J'ai aucune rien et bon. Si vous voulez voir une lockbox, allez voir la vidéo de Acid Pixel. C'est atroce. Il flop tout le temps de quoi? Il a tout le temps les As quand les autres ont les Kings, les Queens. Tu sais, lui vient de se faire 8 cents, il est tout heureux là. T'sais, il a quand même grindé là, une cent, deux cents pendant 6 mois. Là, le dude, c'est quand même un professionnel de la santé. Là. Ok, on va chercher une autre image en fait. Oups, ok, sorry. Je pense que ça va être. Je sais pas, ça fait combien de temps que je. Sacrement que c'est bien de la chouette ça. On peut pas voir combien ça fait de temps que je record là. J'ai aucune idée ça fait combien de temps que je record. So, je vais faire. Oh, ok. Y a-tu un time là-dessus? Non, même pas. C'est quand même assez retard. Ici, je vais faire un raise assez standard en fait. À 10 cents, ici je vais faire un autre raise à 10 cents, à 12 cents en fait. Ici je vais folder, très 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 standard. Ici j'ai. Je peux pas avoir rien, sacrément. Ici c'est quand même un assez bon flop pour moi, mais il y a juste un call. So, ici c'est pas un board dangereux donc. Oh, il faut tuer, please. Ah, ok, ici j'aime quand même ma main. Ici je vais better for value. Ici je vais folder. Ah, mes 12, je vais limper. Ici, acid bet, je vais. Oh my god, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi qu'il y avait? Il y a bien une attardée mentale. On va voir le last hand. Il y avait King 6 top pair. Il y avait top 2 pair. Oh mon dieu, c'est chiant pour lui. Oh mon dieu, je me sens presque mal.
Ok, je vais caller comme un donkey. Oh mon dieu. Un bet de 2 cents. Je suis presque obligé de caller. Ouais, je vais caller. Parce que je suis là. Un 9. Ok. Donkey! Si je veux folder. Ici, je suis rendu avec plus que le max buy-in. Je suis quand même big stack en serre. Je suis quand même très fier, sérieux. Ouais, je suis environ even là, après ce gros pote là, sérieux. Je pense que je vais devenir pro finalement. Génial ça. Cette vidéo là, il est semi-sérieux. Des fois, je suis sérieux, des fois, je suis pas sérieux. Sorry au monde qui ont de la misère à différencier. En fait, on va faire. Ok, dans le fond, vous pouvez voir tout ce que je regarde en même temps, c'est vrai. Ici, King 3, je vais sûrement aller faire un gros raise off position. Hors position. Richie, lui, est sûrement très riche. On peut voir les fiches directement. Ceux qui ont des nombres à. Après. Check. À 7 pixels, il fold tout le temps, genre. C'est genre atroce. Il est plus tight. Oh, top pair, baby. I got the top pair. I got the top pair. Ici, je vais mettre 4, ça va m'indiquer quand même de l'information sur ma main. Ah, oh, si, une call. Je veux même pas qu'une call. Et si je vais encore bêter pour. Parce qu'il va sûrement. Je vais sûrement stacker. En fait, c'est bizarre, il n'y avait pas un straight flush ou quelque chose comme ça. C'est quand même assez nice, sérieux. Ici, j'ai encore top pair. Je pense que ça a été un peu plus demain là, tu sais, mais je vais sûrement buster sur un top 2 avec un 7. Hostie! Check le dude comment il bet fort, mais il était. Tu sais, je veux dire, c'est quoi la joke là? Pourquoi tu bet de même? J'ai vu de Razor All-In là, tu sais. C'est genre. Big boy. Là, c'est là, faut que je me dépêche. Moi, je vais Razor All-In en fait là-dessus, je pense. Si je bosse, je bosserai. Ouais, je sais pas, il est bien les chutes là, voilà. What the fuck was that? Ski donkey. Le doom. Oh mon dieu. Ok, ça c'était fucking drôle. Le doom du bet 24 sous, 4 fois le pot, puis il fold. Ok, Madame Jigger. Ok, donc là ça va un peu mieux dans ma session overall. Ici ça va très mal. En fait, j'ai même pas un dollar sur la table. Ici j'ai genre un peu plus que 6,50. Ici genre 7,50. Je suis presque even dans ma session. Donc, en fait, je suis quand même heureux par exemple d'avoir ramassé de l'argent ici, mais il faudrait que je prenne un peu plus de d'argent un peu partout. Là. Parce que sérieusement, ça rush un peu dans la vie, mon enfant. Oh, dude, c'est vraiment un professionnel de la santé. Si je limpé, parce que lui, il est big blind. Il était mieux checké, parce que moi, je le raisais. All in. Good night. Sérieux, quand même des bons players dans la vie. Ici, mon. On va tester mon. Ah, une call. On va... je voulais tester mon SI en fait. Ah, ça, c'était une pas pire carte pour moi parce que ça me laisse la chance de draw, tu sais. Lui, je me rappelle, je pense que c'était le dude qui battait 2 cents. Je vais caller là, si je prends un heart, tant mieux, sinon non, mais tant pis. Ici, ben je vais faux, ben. J'ai jamais rien sur cette table là, c'est de la maudite merde. Quick to big. What the fuck? Je comprends même pas comment j'ai pogné le pot avec A5. Ok, bon ben, thank you big. So, ici, on voit des joueurs très talentueux au poker. Il donne 20 cents avec moins bon que A5. Sur le doute, il y avait quoi au juste? 10 queen. Open-ended straight draw. Ok. Mr. Bean. Ok.
En fait, je pense que. Je sais pas combien ça fait de temps que la vidéo dure, j'espère que c'est. Je vais rester encore un petit bout, là. Je suis content que je buff. Sérieux, Acid Pixel, c'est un fucking laid. Non, ben non, je dis ça. Sérieux, Acid Pixel est quand même baller. Si on check, il y a deux tabs ici. Max buy-in. C'est quand même assez intense, hein. Ici, j'ai Ace 7. Je pouvais pas avoir Ace King ou Ace Ace. Hein. Ça, c'est sûr, là. J'ai dit ça. Quand t'es un peu bon sur Repoker, ils te donnent pas de cartes. Parce que les joueurs sont tellement dunky que si t'as des cartes, tu vas tout tourner. Genre que ici, j'ai Max buy-in sur une table, puis je trippe pas. Parce que là, si je perds 5 piastres, je vais sûrement vouloir me pendre. En 3 encore, je peux pas avoir Ace King, Ace Queen, hein? non. Si j'ai 10-7, très bonne main, un autre 10-7, très bonne main. Moi j'ai fold plus vite que je peux y voir par exemple, mais bon. Ah, moi, pis toi, pis Jean-Guy, c'est pas pire quand même. Surtout Soot là, Soot, tu peux te mettre en ligne, tu fais jamais le mistake en te mettant en ligne. Ici j'ai flop top pair, on va better 4, je vais dunk better. Moi j'aime quand même ça, dunk better, c'est vrai. Ici lui il y a sûrement un flush. Un straight flush draw, là, pis il va m'en draw. Typical. Oh fucking shit, motherfucker. Ok, ici, je pense que je vais folder, là. C'est un estublé. Ok, je mange la merde. Comme Jiggy dit tout le temps, qui mange mon derrière. Lui, il fait un position raise, là, so. J'aurais aimé ça voir c'est quand. Ah, j'ai rendu ça. Ici, ben, il y a 16, 18. C'est du 3 pour 1, pourquoi pas. Ah, c'est presque fait une crise de cœur. On the spot. Ici, j'ai House 4 parce que je peux pas avoir en haut de House 6. C'est relativement prouvé par. Ici, lui, d'après moi, il y a King Queen. Donc, il y a un. Ben, il va avoir sa full house sur le turn, en fait. Ok, ici on a. Il a l'air weak, sérieux, ce dude-là, mais il me fait chier parce que j'ai juste une des 35 puis je veux du scare money. je vais le laisser avec son fucking pot de cul. Ici 4-6, c'est une main quand même avec du potentiel. Hey, lui, il me traite de poche. What the fuck? Sérieux, il y a du monde qui me traite de poche pour vraiment, j'ai quasiment le goût de broyer. Je pense que vous devriez le bannir, ce dude-là. Il sait pas parler au monde. Hein. Tu sais, lui, ça fait 10 ans qu'il joue au poker. Moi, ça fait 3 heures. C'est quand même chiant, moi, plus que Jean-Guy. En tout cas, ici, je vais sûrement folder. Comme ça, rien. 9-6, je vais raiser cette chose-là. Non. Ouais, donc là, je sais pas combien ça fait de temps que je filme, on va checker un peu dans les massages. Ok. Repassement de scrotum. Non, c'est pas ça. Ça fait. Je peux même pas voir l'heure, oui. Bon, ben, on va arrêter à 9h45. Ça va faire au moins 30 minutes que je fais une vidéo. En fait, probablement plus. Mais j'aime ça faire une vidéo de comme 45 minutes parce que 30 minutes c'est pas assez long. Puis 1 heure, c'est trop long. So, I love you, Mr. B. Typical stuff. Le monde, j'ai tellement de charisme qu'ils me dévouent souvent leur amour, en fait, à l'étable. Je suis quand même assez habitué. Je suis un peu comme un Justin Timberlake de Poker 770, là, des fois, mais, puis, ouais, c'est ça. Puis, des fois... Oh! Ace Queen! Ok, là, on est en business, guys. Oh mon dieu, tu veux raiser mon esti? Tu vas manger ma règle, calice. Acid Pixel, c'est quand même un gars qui flotte le chat, tu vois. Ok, bon, mais t'es mon esti. Oh, j'ai pas assez de stack, là. En fait, oh, je m'en calice. Ok, Oh mon dieu.
Fuck out! Non, même pas. Oh, sacrement. Ok, bon, mais je suis busté sur une table. Si je vais raiser à 8. Bon. Je suis busté. Le ventre m'a poiré de moi. Sacrement. Ok, bon, mais je suis busté. On va fermer cette table-là. Bon, busté sur une table. C'est ça. Ben ici avec les spins, tu l'aurais raisé à 35 cents, il m'aurait pris ça all-in, là, je veux dire. J'étais quasiment committed à caller, j'avais tellement plus de stacks, so, je me mettais all-in avec les spins. Ici il peut shower pas mal n'importe quel main en fait. On s'entend que il est sur le bouton là. Et ça fait 20 fois qu'il me raise, il peut montrer Hostie dunk, qui merde. Non mais fuck you, hostie. Mange ma tête. Bon! Ah, un autre tasse 3. Ok, là ça fait quand même chier là, parce que là, je vais pas pouvoir payer mon loyer. Là. Puis j'ai 12 stress tout le temps. Ok, c'est ça les petits. Ouais! Moi pis toi pis Jean-Guy, le poker c'est le fun. Donc en fait pour ceux qui nous qui viennent de nous joindre, je suis un commanditaire de. En fait je suis pas un commanditaire de rien, mais en fait. Ouais, ça, je vais montrer mon repas de ce soir. J'ai si je vais folder Queen 7, si je vais folder 3-6, Acid Pixel est encore là. Il doit être quand même stressé, c'est quand même du high stakes pour lui. Ben, c'est un joueur de play money professionnel. Là. Donc, des noms comme King K7-7, là, d'habitude, ça veut dire que quand il est 7-7, il va l'overplay, tu sais. Non, c'est pas que c'est plate faire une vidéo là, mais je suis juste un peu fatigué. Donc ouais, c'est ça. Je pense que non. J'aimerais ça avoir quand même des cartes pour vous montrer un peu comment que je joue en fait. C'était pas mal tout le temps du massacre. Là. Oh, Ace 9! Ace 9 c'est une des meilleures mains de ma session en fait. Je suis quand même très content overall ça, du résultat. Je pense que. Je pense que je vais checker ma liste. Donc, je vais pas. Oh! Fuck! Great. Ok, so. As 9 ici, je vais raiser en fait. Parce que je suis quand même. J'ai vu une vidéo de. De. Du dude qui voulait pas. Qui voulait être pro. Je me rappelle même plus c'est quoi son nom là. Glover. Papa's in Glover's. So, Glover, lui, il me disait d'être le petit Chris à la table. Là. So, je vais l'écouter, je vais être le petit Chris. Puis lui, je vais lui. Ah, c'est qui est tight! Il arrête pas de fonder. Je pensais qu'il allait me donner un peu d'action aussi. C'est genre de fuck, quand même. Oh mon dieu, qu'il est dans merde! Moi, je raise all in, tu sais. Ah mon dieu que ça va mal! Oh mon dieu que ça va mal. Sacrement. Bon. Je suis en train de buster là. Ça fait vraiment chier sérieusement. Ici, j'espère qu'ils vont me caller. Any two cards devrait caller, je crois. Là. Ah, nice, j'ai doublé. Nice, j'ai reçu tout le temps des as. I'm all in. All in. Et ça, c'est un move quand même bon à faire, sérieux. Quand tu veux doubler ton stack, tu fais ça.
ça oblige le monde à caller. Check, là, il m'a callé avec une moins bonne main. Mais ça doit être un split pot parce que c'est quand même assez rigged la vie. Ouh, il va gagner. Bon, tu vois, c'est un split pot depuis le début. C'était marqué dans mon front. Split pot. En fait, on devrait plus aller jouer au blackjack, peut-être. Ouais, au blackjack, on a plus de chance. Ouais, je suis bien d'accord. Ben, dans le fond, ça dépend, là. Quand je run comme ça, c'est de la swag, là. Ici, il faudrait que je double sur mon 5$ table pour avoir 10 pour être con. Mais bon. Donc là, c'est pas un très bon vidéo parce que j'ai busté presque deux tables en faisant ça. Donc je me sens quand même... ben ça vous démontre un peu comment que je run au poker. Là. Faut dire que je joue sûrement pas parfaitement non plus, là, mais qu'est-ce que tu veux. Donc là ici je vais mettre une couple de fois all-in encore. Ici je vais jouer mon A-game là. Comme d'habitude. Ici ben lui il a two pairs là, avec un flush là. Bon. Ok ici ben, je vais être all-in peu importe qu'est-ce que j'ai. 7-5 c'est correct. C'est 14 sous, je pense juste ça sur mon bureau. Là. Faut pas me sentir mal. Pour me rappeler que j'ai cet argent là. Ici il raise à 12, au moins je vais aller all-in là, en fait. Mais j'aimerais ça aller all-in, moi. Si c'est possible. J'aimerais ça qu'il faut sérieux, mais bon. Ouh! Malade! Ok. Ici, j'ai un top. Nice! C'est nice que ça soit sur vidéo, sérieux. Envoyez ma bande de dingues. Donnez-moi votre cash. Ils vont pas revenir. Malade. C'est trop nice que ça soit sur vidéo. Ok, sur ça, ici je pense que je vais encore me remettre en ligne. En fait, non. Je l'avais un peu plus big stack là. Ça... On va prendre notre temps. On va doubler encore jusqu'à 100$. C'est vrai, là. Ouais. 12-4, toutes des overcards, très standard. Ici, je pense qu'il y a un bon move de folder. Oh fuck. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans une scène, deux scènes, c'est que tout le monde se croit bon. Parce que il y a beaucoup de monde qui grind là, une scène, deux scènes. Si j'ai King 9, c'est quand même une bonne main en tant que small blind. Genre, j'aimerais avoir un flop avec s'il vient King 9, tu sais. Ouais! Si je vais caller une scène, là. Ici j'ai 6 jack en fait, lui il me raise, il me fait vraiment chier, j'ai goût de le raise all in. Ici je vais caller, au cas que je flop une full off. Genre je la sentais cette main là. Mes instincts de mal. Instincts de mal. De mal. Ici, le big stack, c'est à la table, il nous bully pas pour 2 cents. Lui, c'est un mot de donkey qui bat tout le temps ses drops. Mais bon, deux personnes derrière moi, moi, pis toi, pis Jean-Guy. Je pense que le bon mot, c'est ça. Pour tous ceux qui se demandent c'est qui Jean-Guy, c'est mon ancien voisin. Personnellement, moi, j'aime mieux le Wendy's que le McDonald's. Je sais pas pour vous, là. McDonald's, je prends un trio numéro 5 d'habitude. Mais. Un mec extra, sans fromage. Avec. Ouais, c'est ça, mais ça devient. J'en ai quasiment trop mangé pendant un bout. Sur là, Wendy's, il s'en est fait construire un dans mon coin. Puis je commençais à manger ça un peu plus que le McDo, en fait. Puis c'est pas mal plus frais, puis c'est mieux. Ici, j'ai 10-9, typical all-in. Si je me fais caller, en fait, je vais pas être très content.
Oh ouais, un bon flop. Queen! Queen! Ok, ben j'ai busté. Donc, la main qui me call avec his jack. Sacrement dunky, man. Ok, so, un autre table de busté. Chips. Bon, ben, je vais être broke sur vidéo. Sur poker770.com. Ok, so là, ben ici, je pense que je suis pas mal écœuré. Moi, pis toi, pis Jean-Guy, la vidéo est finie. Donc, le meilleur trio Wendy's, c'est le numéro 2, numéro 3 et goût 3 à viande. Si vous voulez prendre un 4 viande, dites que vous voulez un Grand Slam. Poker, c'est rigged. Pis, Acid Pixel. Il est wack. Hihi. Ok, bon, mais je vais faire un dernier tour de table. Là. En fait, donc, je pense que c'est mieux pour mon vidéo si je pour ma propre. Oh, une fois. Pour ma propre honneur. Ah, oh, en fait, je vais faire un dernier tour de table. Ah, c'est moi qui voulais quelqu'un. Pour finir en beauté. Sacrement de missile. Ok. Bon, en fait. Ouais, j'ai vu une vidéo qui m'a traumatisé, je vais vous parler de quoi, quelque chose en même temps. Une vidéo qui m'a quand même bien traumatisé en fait, ces temps-ci. C'est la vidéo de Vachier ST69. Sérieusement, cette vidéo-là, il m'a quand même très bien aidé. J'ai beaucoup appris au courant de ce... Mais ici en fait, il y a beaucoup de théories qui ne s'appliquent pas à Hippoker, vu qu'il n'y a pas d'image, tu sais. Comme demander des femmes en mariage sur une table de poker. On peut pas vraiment faire ça en fait. Faudrait vraiment se concentrer sur le chat puis on jouerait plus notre game, tu sais. Donc ouais, c'est ça. C'est quand même une vidéo instructive en fait. Overall, je pense que mon vidéo est meilleure. Ça c'est sûr. Lui il joue un sit and go. C'est sit and go, c'est des down commands. So overall, je pense que j'ai un edge sur lui, mais... Ici, on va aller voir la main. Vous voulez voir comment ça marche dans Hippoker. C'est ma première session sur Hippoker, en fait. Je suis quand même quelqu'un de très 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 très... pacifiste. Ouais. Excusez si il y en a qui baillent à cause de moi. Je sais pas si mon vidéo va être pertinent pour quelqu'un, mais je l'espère en fait. Non, je suis big blind, moi qui voulais pas être big blind. Bon, dernier tour de table. On va plus rester le pixel parce qu'on a busté partout. Mais bon. Je sais pas si on peut mettre une grosse table à la place. Je pense que ça va être plus cool. En fait, ça nous aide à demander des femmes en mariage, parce qu'on voit les avatars. Oh fucking Christ. Ok. Wow. Il y en a du texte qui défoule. Et ça va m'aider parce que là je vois plus ces cartes. Ça va me donner un edge. Mais là, je comprends pas ça. C'est plus fou que. Un Roger, ça il faut jouer ça. Si je prends un gotcha, je vais battre. Et si je rebattais encore, je vais faire mon dernier attempt de pogner le pote. Je l'ai pogné avec un Roger. Un Roger. Donc ça c'est le modèle des tours de table. Je vais faire auto pause disabled. Puis on va jouer comme un professionnel. Un raise ici.
Ben en fait, je pense que c'est mieux de folder ici. Je comprends pas. My account. Oh fucking Christ. Ok, donc là ça rush dans la ligne. Mais bon, ouais, donc là c'est vraiment long, là. Ça commence à être plat, tu sais. Ça commence à être décœuré pas mal. Donc ça va être ensuite jouer la petite main pendant que je finisse. Bon, tout check là, showdown, that's it là. 10 cents dans un pot de 4 cents. Nice bet, mister. Voilà, je gagne. Ma dernière main. Ici, on va raiser avec 4-6. Vu que c'est ma dernière main. Putain. Ici, on va représenter une bonne main. Ici, on a pogné le pot. Bon, mais c'est... C'était Monsieur B pour Vidéo Poker Collectif. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis, ouais, en fait, je m'en calisse pas mal de vos commentaires, mais je peux m'en laisser pareil. Peace!